Je remercie le Seigneur Jésus-Christ dans la grâce qu'il m'accorde aujourd'hui. Je remercie encore le Saint-Esprit. Et que le nom du Seigneur Jésus-Christ puisse être élevé au-dessus de tous les noms. Le Dieu de miséricorde et de grâce puisse encore nous accueillir dans sa présence. Dans la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous allons continuer dans la deuxième partie. Dans laquelle je parle du paradis. Et je vais expliquer à tout le monde que le paradis existe. Ce ne sont pas des histoires. Ce ne sont pas des mensonges. Mais toute écriture que nous lisons sur le paradis est réelle. J'ai vu cet endroit-là. Et je suis même entré dans cet endroit-là. C'est un endroit qui ne ressemble à aucun endroit ici dans le monde. C'est un endroit qui est saint. C'est un endroit où si tu ne meurs pas dans la sainteté, tu n'entreras pas. C'est un endroit où si tu ne marches pas dans la vie de sainteté, le jour de l'enlèvement, tu ne monteras pas pour aller là-bas. Donc les chrétiens au paradis, on m'a dit ceci. Si tu atteins les 100%, tu peux entrer. Mais si tu n'atteins pas les 100% de sainteté, tu n'entreras pas. Qu'est-ce que signifie les 100% de sainteté? Tu ne peux pas garder ou cacher un péché à l'intérieur de toi. À chaque temps que tu passes dans ce monde, tu dois examiner ta marche et demander pardon au Seigneur et t'humilier devant le Seigneur à chaque instant et invoquer le sang de Jésus-Christ que son sang puisse te purifier. Et c'est comme ça que tu entreras au paradis. On m'a dit ceci. Il faut qu'un chrétien, quand il est dans le monde, puisse construire sa maison au ciel. Chaque personne construit sa maison au ciel. Et pour construire cette maison-là, il y a cinq lois ou cinq principes auquel tu dois obéir. Le premier principe, pour que tes matériaux puissent monter au ciel, pour qu'on puisse construire ta maison, tu dois être une personne qui lit la Bible personnellement dans le monde. Prends le temps de lire la Bible. Dans le témoignage, tu comprendras que quand tu lis beaucoup la Bible, il y a beaucoup de choses qui se passent. De deux, tu dois être une personne qui prie. Donc toi-même, tu prends le temps de prier. Et quand tu pries, tu envoies tes matériaux de construction vers le ciel. La femme prie en ayant la tête couverte. Et l'homme prie avec la tête non couverte. Tout homme qui met un chapeau sur la tête, qui prie avec même un petit chapeau comme ceux qu'on voit, donc avec des bazins, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. En enfer,
Il y a l'un des grands pasteurs qui était mort. Nakomboya pasteur Idaoussa. Dans, avec le nom du pasteur, le nom dont le nom est le pasteur Idaoussa. Biloko ekoti saki yera life le zali. Et ce qui l'a fait entrer en enfer est, je dirais seulement une seule de chez soi. Il commençait à prier avec un chapeau sur la tête. Et il brisait la loi du Seigneur. Pasteur Daoussa, il était l'un des grands pasteurs dans le monde. Mais il n'est pas entré dans le royaume des cieux. Parmi l'une des choses qui l'ont amené en enfer, donc c'était de prier avec un chapeau tel qu'on le voit chez les prêtres. Non, ce n'est pas comme ça. On m'a dit que les hommes ne peuvent pas prier le Seigneur de cette manière-là. Que ceux qui couvrent leur tête, pour eux c'est difficile. Et on m'a dit la troisième chose pour que ta maison puisse être construite. Tu dois être une personne qui sache louer et adorer le Seigneur. La grandeur de ta maison au ciel. La largeur de ta grandeur de la maison au ciel. Donc dépend du temps que tu donnes au Seigneur. Si tu donnes peu de temps au Seigneur, tu construiras aussi une petite maison. Sache-le très bien qu'au paradis, tu peux construire une grande maison qui se répand dans toute l'étendue de la RDC. Tu peux même construire une maison, une tellement grande maison qui aura la taille même des 5 continents. Et cette maison-là se construit quand tu es encore vivant dans le monde. Et les anges qui sont en haut, ceux qui sont chargés de construire ta maison, eux, ils ne feront que recueillir et prendre les matériaux. Et donc toi, à chaque moment dans le monde, tu dois les envoyer ces matériaux. Si toi tu ne les envoies pas, ces anges-là aussi n'auront rien à faire. Et donc à l'intérieur de la louange et de l'adoration, on m'a dit que beaucoup des chansons que nous chantons dans le monde ne montent jamais au ciel. Beaucoup des musiciens que nous appelons les musiciens chrétiens, beaucoup d'entre eux, le Seigneur leur a déjà tourné le dos. À cause de leur au-dessus de leur vie. À cause de leur vie qui n'ont pas plu au Seigneur. Et c'est par ce moyen-là que le Seigneur m'avait fait grâce. J'avais eu la grâce de voir l'un de nos chantres qui était mort, qui venait du pays de la RDC. Du nom de frère Alain Moloto. Frère Alain Moloto. Au ciel, je l'avais croisé avec 35 ans. Son âge avait été réduit. Et n'oubliez pas, hier je vous avais expliqué. Donc tous les saints qui retournent dans la maison du Père, donc on réduit leur âge. Mon saint toi a couvert à 80 ans. Un saint qui meurt à 80 ans. Nalola à 80 ans. Au ciel, il n'aura pas 80 ans. On m'avait dit que quand un adorateur retourne dans la maison du Père, son âge est réduit. Et je vous avais expliqué hier qu'il y avait aussi un des pasteurs qui était mort et que j'avais retrouvé. Pasteur Louis Mwanda. Le pasteur Louis Mwanda. Lui, il était soldat. Mais à Bangakanza. Mais il marchait dans la crainte du Seigneur. Et il est dans le royaume du Seigneur. Et dans le monde, il était mort avec plus de 60 ans. Et là-bas au paradis, il a 30 ans. Et c'est le frère Alain Moloto qui a 35 ans. Je ne sais pas à quel âge il est mort. Mais ce que je sais, c'est qu'au paradis, il a 35 ans.
Et donc quand je suis arrivé, je les ai vus. Et j'avais demandé de rester au paradis. Et on m'a dit ceci. Il me faut que je puisse retourner dans le monde. Dans le monde où je vais retourner. Il faut faire makasi. Je dois faire l'effort pour que je puisse retourner au paradis. Et j'avais très bien compris que le combat qu'il y a dans le monde, ce n'est pas un jeu. Tel qu'on m'avait dit dans le ciel, dans le monde, si une personne meurt en tant que chrétien, il a vaincu un grand combat contre Satan. Et quand on m'avait dit ceci, moi on m'a dit moi, que j'étais seulement venu pour prendre le message, mais que je devais retourner pour aller dire aux gens dans le monde. Mes bien-aimés, faisons attention. Beaucoup de chansons dans le ciel. Et donc quand on m'a dit ceci, que beaucoup de chansons dans le ciel ne montent pas, j'avais demandé qu'on puisse réellement me dire que si ce sont toutes les chansons qu'on puisse me dire, qu'on puisse me dire si toutes les chansons ne montent pas ou si même tous les musiciens sont déjà abîmés, foutus. Et au ciel, j'avais entendu la chanson Nazaya Yesu du frère Alain Moloto. La chanson que nous avons écoutée hier. Et c'est cette chanson-là que j'avais entendue au ciel. Et il y avait d'autres chansons que j'avais entendues ici dans le monde, que j'avais aussi entendues au ciel. Il y a d'autres chansons ici dans le monde où nous jouons, qui se jouent aussi au paradis. Pourquoi ? Vous l'entendrez dans pas longtemps. Et je leur avais demandé qu'on puisse me dire sur les chansons. Et ils m'ont dit ceci. Pour qu'une chanson puisse monter au paradis, il y a deux lois. Si cette chanson réussit ou passe ces deux lois, au paradis, cette chanson-là monte. Mais si cette chanson ne passe pas les deux lois, au paradis, cette chanson ne montera pas. La première loi pour qu'une chanson puisse monter au ciel, il faut que l'inspiration de cette chanson, il faut que l'inspiration vienne de Dieu lui-même. Il faut que Dieu lui-même puisse inspirer cette chanson. Donc, essayons de comprendre très bien que dans le monde, que Satan aussi donne son inspiration aux chansons. Et donc si l'inspiration d'une chanson ne vient pas de Dieu, cela aussi ne donne pas gloire à Dieu. Et toute chose qui ne donne pas gloire à Dieu, au ciel, j'avais entendu ceci. C'est Satan qui prend cette gloire-là. Si Dieu ne prend pas cette gloire, donc la personne dans le monde, par manque de connaissance, est en train de donner la gloire à Satan. Et on m'a encore dit ceci. Beaucoup de gens dans le monde, donc se prosternent devant Satan. Mais eux-mêmes ne savent pas qu'ils se prosternent devant Satan. Pour eux, donc, en chantant ces chansons-là, ils pensent pouvoir élever le nom du Seigneur. Beaucoup. Ils sont des gens, des adorateurs de Satan. Et ce genre de personnes-là, s'ils meurent, dans le royaume des cieux, il n'entrera pas. La deuxième loi. Il faut que la chanson, à l'intérieur de la chanson, il faut que le nom du Seigneur Jésus-Christ, que la chanson puisse élever les œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Si cette chanson n'est pas de cette manière-là, au paradis, cette chanson ne montera pas. Et cette chanson-là ne donnera pas gloire au Seigneur. Mon bien-aimé, les gens dans le monde, ils disent beaucoup. Même si cette personne-là sert Satan, cela le regarde.
Moi, je chante cette chanson-là pour mon Dieu. Et là-bas, on m'a dit ceci. En aucun jour, on peut prendre ce qui donne gloire à Satan pour pouvoir le donner à Dieu. Cela ne se fait pas. Et cela aussi ne se fera jamais. La chose qui donne gloire à Satan, que cette chose-là puisse venir donner gloire à Dieu. Au ciel, on m'a dit que cette chose-là ne se fait pas. Et cela aussi ne se fera jamais. Mais bien, mais faisons attention sur les chansons. Il y a beaucoup de chansons au ciel qui ne montent pas. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. D'autres même avaient commencé avec Dieu. Mais ils ne sont plus avec Dieu. Et la personne qui chante dit ceci. Il dit Jésus. Il me tient. Avant que toi tu puisses me toucher. Avant qu'un sorcier puisse me toucher. Avant même qu'un sorcier puisse me toucher. Il faut d'abord que tu puisses aller toucher le Seigneur Jésus-Christ. Et toi aussi tu suis sa chanson. Tu chantes aussi. Oh, on va mettre les sorciers mal à l'aise. Et tu as oublié une chose. Que cette personne-là, avant de chanter sa chanson, il dit ceci. Il cite le nom de leur démon. Et il dit le guégué pur. Et sans tache. Et sans tache. Que leur guégué est pur. Et qu'il n'a pas de péché. Et quand il jette ce mot, c'est pur. Il commence à chanter et met le nom de Jésus-Christ. Et vous aussi, vous chantez. Et vous prenez les premières paroles et vous lui laissez. Et vous prenez la chanson et vous chantez. Au paradis, cette chanson-là ne viendra pas. À ce moment-là même, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de détruire l'église du Seigneur. Vous êtes en train de faire ce qu'on appelle la maladie de l'église. Et la maladie de l'église. C'est l'une des révélations que le Seigneur Jésus-Christ m'a aussi donné. Je suis le docteur Jésus-Christ. Et le Seigneur ce jour-là m'avait dit que je suis le docteur Jésus-Christ. Que vous puissiez marcher dans la crainte du Seigneur. Et il m'avait montré ce qui rendait l'église malade. Et à l'intérieur de cela, la musique se trouve aussi là. L'église. Si vous chantez des chansons qui ne donnent pas gloire au Seigneur, vous êtes en train de détruire l'église. Vous êtes en train de détruire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et on m'a dit que l'église a des yeux. L'église a des oreilles. Et l'église a aussi une bouche. L'église a des mains. Et l'église a aussi des pieds. Et on m'a dit que quand vous chantez des mauvaises chansons. Et donc, sachez-le qu'on m'a dit que vous êtes en train d'abîmer ou de détruire l'un des sens que je vous ai dit. Si vous détruisez les yeux de l'église, vous n'aurez plus jamais de révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ. Si vous détruisez les pieds de l'église, l'église ne grandira pas. À chaque fois que vous chantez ces chansons-là dans le ciel, cela ne grandit pas. Mais vous êtes en train de détruire l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc dans les maladies de l'église, il y a beaucoup de symptômes. Mais à l'intérieur de cela, la musique en fait partie. Il y a beaucoup de musiciens. Ils sont beaucoup. Beaucoup, très beaucoup. Beaucoup. Qui aujourd'hui ne sont plus avec Dieu.
Mais ils sont peu ceux qui sont restés avec le Seigneur. Mais bien aimé, cela m'avait fait mal. Parce que je sais très bien de quelle manière les chansons se jouent dans le monde. Et je sais aussi de quelle manière, donc, à chaque fois, des musiciens sont en train de naître dans le monde. Vous allez me pardonner sur une chose. Donc, il faut que le frère qui dirige puisse tourner l'écran pour que je puisse vous montrer quelque chose. Et regardez une des choses que nous regardons ensemble. Regardez l'un des musiciens. Il ne se cache plus aujourd'hui. Regardez bien. Ils ont mis en haut, ils ont écrit. Ils ont écrit Jésus, celui qui fait des miracles. Vous la connaissez, vous le connaissez très bien. Et cette personne-là aussi citait le nom du Seigneur Jésus-Christ en haut. Mais regardez maintenant ce que cette personne. Mais bien aimé, faites très attention. Beaucoup de musiciens en sujet sont animés. Nous les appelons des musiciens chrétiens. Mais en réalité, ils n'élèvent pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas élevé par cette chanson-là, donc toi aussi tu deviens adorateur de Satan avec cette personne-là. Et cela va fermer les portes du ciel. Et cette personne-là a fait sa chanson. Et quel est le titre de la chanson? Elle a dit une chose. L'adoration qui brise le chêne. Donc ici vous voyez bien, il est écrit l'adoration qui brise les chaînes. Donc kogumba melanzambe oyo ebukaka minyololo. N'aimez pas si on explique un peu bien. Donc se prosterner devant le Dieu qui permet de briser les chaînes. Et cette personne-là montre que quand tu te prosternes devant le Seigneur, cela brise les chaînes. Mais regardez maintenant ce que cette personne a fait. Nalikolo en haut, on a mis cette personne. En bas aussi, on a mis cette personne. Elle a fait deux signes en haut et en bas. Mais bien aimé, faites très attention. Même dans les affiches des séminaires, que vous puissiez bien tirer votre attention. Il y a beaucoup de signes sataniques à l'intérieur. Et pourquoi ils le mettent? Ils doivent montrer les œuvres qu'ils font. Donc qu'ils puissent élever leur Seigneur. Nous sommes dans un temps qui est très mauvais. Et vous allez comprendre cela au moment où je vais parler des églises. Et aussi des pasteurs. C'est à ce moment-là que vous allez très bien comprendre. Alors, Nicolo, et donc en haut, a sali signe moko. Elle a fait un premier signe. Vous voyez. Elle a pris sa langue et elle l'a tirée dehors. Beaucoup de personnes même ont fait ce genre de pose dans la photo. Et beaucoup de gens même font cela dans le monde. C'est l'un des signes sataniques. Mais bien aimé, faites très attention. C'est l'un des signes sataniques. Regardez bien ce que cette personne a fait. Donc les signes ici que nous voyons, que nous regardons très bien. Et donc ce sont ces signes-là qui se font dans le monde. Ce sont ces signes-là. Tous ces signes ici. Ce sont ces signes-là qui se font dans le monde. Notre frère qui prend le live peut même tourner l'écran pour que et donc ce sont là les signes pour tirer la lumière. Et donc cette personne de chaque... cette personne-là a fait ce signe-là. Rapidité, pour ça, on a une rapidité. Le corps est une image. C'est que nous sautons. Nous avons un principe. Ceux qui ont une image, ils continuent à 4, c'est que nous sautons. Les gens qui ont une image, pour comprendre, alors, à ça, les signes. Et donc, cette personne-là a fait le signe.
signe signe. Et c'est ce signe-là que cette personne a fait. Le bien. Ok. Et donc le signe, c'est ce signe qu'elle a fait en haut. Mon bien-aimé. Ne jouons pas avec le salut de nos âmes. Le but qu'on a du show. Notre salut. Ne jouons pas avec cela. Il y a un jour où vous, toi et moi, nous allons quitter ce monde. Et nous pourrons aller souffrir. Cette personne-là avec tous les signes sera confiée après yo. Si elle meurt après toi. A eu grâce. Et qu'elle a la grâce. A bangoli motema. Et qu'elle se repent. Yo nyo kwama. Donc. Yo ko kendo nyo kwama. Toi tu iras souffrir. Yatikali gobika. Mais elle cette personne-là. Elle va donc ya bomaki batu ebele. Donc c'est comme un sorcier qui a tué beaucoup de personnes. Ale kisa ki bango. Donc elle les a sacrifiés. Mon kolomoko yatikali na mokila zupe lobiko abiki. Et il y a un jour où cette personne-là trouve le salut et est sauvée. Mais bien aimé, ne joue pas avec ta vie. Fais très attention. Alors signe et donc ce signe-là, cette personne qui est chante. Elle dit, elle veut le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais bien aimé, ne disons pas qu'elle est ignorante. Mais bien aimé, cette personne-là n'est pas ignorante parce que tous ces signes que nous voyons, nous avons déjà montré que ce sont les musiciens païens qui font cela. Et dans le temps où nous sommes, ces signes-là ne sont plus cachés. Donc tous ces signes-là, les musiciens le font, même ceux qui, les footballeurs aussi le font. Certains même d'entre eux disent clairement qu'ils élèvent Satan. Les musiciens du monde ne le cachent plus. Maintenant toi qui élèves le Seigneur Jésus-Christ, tu t'appelles l'adorateur du Seigneur. Tu le fais pourquoi? Mon bien-aimé, le Seigneur est amour. Alors vous connaîtrez la vérité. Il a dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous affranchira. Si tu refuses de comprendre, cela te regarde. Alors nasse. Et donc en bas. Alobi adoration oyo ezobuka ba chaînes. En bas, elle a dit adoration qui brise les chaînes. Et regardez de quelle manière elle est. Elle est enfermée. Alors ceux qui tient l'adoration qui brise les chaînes. Donc si une personne met une... Donc que c'est l'adoration qui brise les chaînes. Il y a quelque chose qui nécessite d'être mis. Mais elle ne peut pas mettre cela. Une adoration qui brise les chaînes. Pour être représentée par une certaine image. Et l'image que cette personne a mise n'est pas celle-là. Donc on va nous chercher l'image en question. Beaucoup de musiciens sont abîmés. Beaucoup. Beaucoup se sont détournés. À l'intérieur de leurs chansons, ils disent beaucoup de mauvaises choses. Mais vous, les gens, vous ne voulez pas les comprendre. Vous enlevez la mauvaise partie. Et vous prenez seulement la bonne partie de la chanson. L'adoration qui brise les chaînes, comme une image. Vous voyez l'image de l'adoration qui brise les chaînes. Donc la personne qui se prosterne devant le Seigneur. Adoration et donc c'est ça l'adoration qui brise les chaînes. Yo lobby l'adoration qui brise les chaînes na Yesu Christ omi kangi pour moi. Mais toi tu dis que c'est l'adoration qui brise les chaînes. Alors pourquoi tu es enchaîné? Alors et pas un déco toujours. Et donc seulement chez cette personne-là. Si vous prenez ces anciennes chansons. Et que vous les emmenez tout doucement au ralenti. Vous allez voir beaucoup de signes sataniques des musiciens qui se retrouvent là-bas. Une personne qui se prosterne devant le Seigneur.
Il suffit, de cette personne doit élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et on m'a dit que dans l'élévation du nom du Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois que une personne, que le chanteur chante, donc cette personne-là doit vous montrer la vérité de ce que cette personne chante. Beaucoup dans leurs chansons ne montrent pas le Seigneur Jésus-Christ. Cette personne vous amène une chanson. Et il vous dit, oh, le voici. Le voilà. Mais quand d'autres vont chanter, ils vont dire, depuis que j'ai connu le Seigneur Jésus, les désirs du monde m'ont laissé. Donc cette personne-là est en train de vous montrer le Seigneur qu'il chante. Et d'autres chantent. Il va vous montrer, oh, le voici. Et cette personne-là dit, oh, le Seigneur Jésus-Christ est mon amour. Mais comment devant les gens je peux cacher cet amour-là? Non, on ne peut pas cacher le Seigneur devant les gens, c'est pas possible. Mais bien aimé, il y a tellement de mauvaises chansons, tellement. Et écoutez la personne qui chante. Et elle dit ceci. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle vient de la voûte céleste. Elle est plus forte que les Écritures. Elle est plus forte que les Écritures. Écoutez ceci. Je disais déjà une chose depuis longtemps, mais les gens. Mais Jésus-Christ, le roi a dit qu'à la Nzambe. Mais puisque Dieu reste Dieu. Dans les scandales qui commencent à se faire, on m'appelle et on commence à me donner raison. Et moi je dis que vous ne puissiez pas me donner raison, mais donner raison. Et écoutez que je puisse vous expliquer. L'inspiration, c'est le monde de Dieu, oui. L'inspiration, c'est le monde de Dieu, oui. Et on a dit, elle est plus forte que les Écritures. Elle est plus forte que les Écritures. Moi, je sais une chose. Mais nous, moi, je sais une chose. Je sais une chose. Que la parole de Dieu. Que l'écriture du Seigneur. C'est ça l'inspiration. Mais une personne vient me dire. Que l'inspiration est plus forte que ma écriture. Mais une personne vient me dire que l'inspiration est plus forte que la parole de Dieu. Vous ne voyez pas que cette personne-là est en train de séparer ces choses. Et donc, qu'est-ce qu'elle est en train de dire de Dieu?